tout le monde! Ça y est, elle est là! On est très contentes! Notre deuxième BD est disponible dans toutes les librairies. Et sur Internet. Évidemment. Bonne vidéo à tous! Hello les bubbles. Hello Athéna, coucou Cali. Coucou. Comment ça va aujourd'hui les filles? Ça va. Sur cette petite vidéo du thème Halloween, laissez un petit pouce en l'air, j'espère que tout le monde va bien derrière son écran, abonnez-vous et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Manger. Les filles. Oui, on va faire pendant 24 heures donc le dîner maintenant, le petit-déj, le goûter et avant le déjeuner. Sur le thème d'Halloween, on va bouffer des bonbons toute la journée pendant 24 heures. Alors, on va le faire sous forme de challenge, c'est-à-dire que pour ce dîner, c'est Athéna qui va créer une petite recette, comme tu le sens. Et demain, au déjeuner, ça sera Calice qui fera une petite recette. Ok. Le petit déj, ça sera light. Le goûter, ça sera light. Allez, c'est parti pour le dîner. C'est parti. Alors, les filles, pour ce dîner, pour la recette, voici ton petit panier d'ingrédients. Alors je précise que tous ces bonbons nous ont été offerts par Génération Souvenir, ceux qui font la rétro box, voilà, ça fait des années qu'on les adore. Alors, il y a des pièces. Il y a des yeux. Mais ça tombe bien, on ne fait pas d'omelette sans casser des yeux. C'est pas ça le truc. Et des bonbons. Des ouais. Doigts, c'est Halloween, hein. Des souris, des cervelles de souris. Oh. Des serpents, oh. des canines. Eh, heureusement que vous avez mangé un petit peu avant. Qu'est-ce que tu vas nous faire comme recette? Ah attends, c'est pas tout, parce qu'il y a aussi une boisson. Mal. Manger c'est bien, mais boire c'est mieux. Regardez, j'ai une petite bouteille. Pour boire un coup. Remplie de bonbons. Je te laisse réfléchir une minute. Et après tu nous dis ta recette. Alors Athéna, ça fait une minute. Est-ce que tu as trouvé une idée? Oui. Ah, qu'est-ce que tu vas nous préparer? Comme l'année dernière. Super l'originalité! Bravo Athéna! Bravo! Hein. On l'applaudit bien fort! C'est quoi l'année dernière? Soupe de bonbons. Une soupe de bonbons. Ouais, je suis pas convaincue, hein! Tu peux me chercher un gros saladier s'il te plaît? Et voilà ton saladier! Oui! Alors, on verse tout! Attends, je prends un bon bec. Tête de mort! Non. Alors, elle te met des yeux aussi? Oui, un œil. Un œuf. Un œuf. Un yun. Alors, tu vas en mettre combien? 3. Un par personne. On va presser. Ça se prépare. Coucou à tous. Oh mon dieu, c'est quoi ce visage? C'est un masque, bonjour à tous. Mon dieu, c'est quoi ces cheveux? C'est une perruque. Aïe, non, c'est pas une perruque, ça fait mal. Ah, c'est mes vrais cheveux, mais ils sont trop longs. Pampan. Bon, ça paraît pas mal tout ça. Tu reviens de bêtise. Oh, regarde, tu des yeux verts. Ah non. C'est bon. Ah, c'est génial. Coucou. Mais fais-toi. Voilà, ouais. T'en as mis beaucoup. Je vais mettre un petit peu. Par contre, vous mettez de l'eau, hein, bien sûr. Bon, non. Athéna, hop là. Voici le récipient rempli d'eau que tu m'as demandé. S'il n'y en a pas assez, tu me demandes. S'il y en a trop, t'en mets pas tout. T'as mis tout, c'est pas grave. Oh, bah c'est pas mal, Marc. Regardez-moi cette bonne soupe. On dirait des litchis, les yeux, c'est marrant. Des litchis. Des litchis au sirop. On va se régaler. Ouais, je suis pas aussi optimiste contre, que toi. Qu'est-ce que tu vas faire avec les pièces, juste pour info? Les manger! En dessert! Ah, c'est en dessert. Oh, mais ça, c'est le plat. Ça, c'est la partie salée, ça. D'accord. Ok. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est la partie salée, ça. C'est, en fait, c'est un repas très équilibré. Ne faites pas ça, bien sûr, chez vous. C'est réalisé par des non-professionnels. 3 cuillères. Mais si, c'est une professionnelle, Athéna. On se croit dans Top Chef. Mais oui, c'est ça. Oh, Philippe, tu baisses ton sueur. Ouais. Oh, c'est cauchemar en cuisine. Là. Ah non, mais là, c'est même plus cauchemar en cuisine, c'est AVC en cuisine. En même temps, cauchemar ou AVC, c'est quand même sur le thème d'Halloween, c'est bien. Ah oui. C'est pas faux en plus. C'est pas faux. Est-ce que ça va être meilleur que l'année dernière? J'espère. Parce que l'année dernière, on a trouvé que tes bonbons étaient trop mous. Il faut pas attendre trop longtemps, faut vite les manger. Oh, mais oui. Hey, c'est super beau, en tout cas, on dirait un faux. Non, oh, mais c'est vrai. Bon, allez, moi aussi, je vais goûter. Allez, je goûte. Non. Attends, c'est rien, elle a dit plus rien. Tu aimes ta recette? Toi, Calice, tu aimes sa recette? Ça va. Ça va. Hein. Ça va.
Ok, alors on se retrouve tout à l'heure pour le dessert. Mathéna, est-ce que tu peux quand même nous dire si ta recette elle est bien ou t'es déçu? Elle est top. Ah oui, au niveau des yeux. Allez, vas-y, mange ton œil. C'est un peu bizarre cette phrase. Sortie du contexte. Ça cette me... phrase n'est pas à sortir de son contexte. Allez, vas-y, mange ton œil. Oh non. Ah, il y a du sang. T'as la fraise. Ça voilà. Pique. Oh, c'est les goûts, il pique. Allez, moi j'ai mon œil aussi. Je vais gober le oculaire. Je vais gober le globe. Bon, bah, je crois qu'on est parti pour 24 heures à manger que des bons becs. Mais là, on se retrouve tout de suite, bien sûr, parce qu'il y a le dessert et la boisson. Ah ! On a soif. Elle a tout mangé, Athéna ! Miam, miam. Bon, Calis, non. Pas calé. Maintenant, Athéna, c'est l'heure du dessert, de la boisson, dis-moi. Dessert. Puis, et la boisson. Alors, qu'est-ce que tu veux pour le dessert ? Emballer des condiments. Oh, il y a des dragibus noirs. Oh, j'adore. Mais c'est pas des dragibus, je te dis. Ah, si, c'est sûr. Oui, c'est des dragibus. Ah oui, c'est des dragibus. Ah oui. Ah bah attends, ils font des bons bonbons, hein, Génération Souvenir, c'est pas n'importe quoi, hein. Allez, champagne. C'est excellent, cette bouteille. Et d'ailleurs, cette bouteille est à gagner sur notre compte Instagram Studio Bubble Tea. Oui. Donc allez, si vous voulez la même bouteille, rendez-vous sur Instagram, le petit concours, et vous le recevrez peut-être à la maison. Alors, Athéna, c'est quoi ta recette? Et un Scooby-Doo. Non, faut pas faire du Scooby-Doo. Bon, on se retrouve quand elle aura préparé son petit plat du dessert. Je pense qu'elle est inspirée, là. Qu'est-ce que tu nous fais, Zéna? Scooby-Doo. Je suis trop beau, chat. Waouh. Alors, Athéna, c'est terminé? Oui. Bah, c'est bien, c'est simple, mais efficace, c'est très coloré. Bon, bah, c'est parti, Athéna a déjà commencé, mais laisse ton invité finir son Scooby-Doo. Mais sur son Scooby-Doo, j'ai pas tilté. Mais t'y arrives, tu vois? Oui. Mais ça marche trop bien! Ah, bah, tu peux le manger, hein! Mais pas fini! Alors, qu'est-ce que tu penses du dessert de ta sœur? Est-ce que c'est meilleur que la soupe? Oui! Et là, pour le coup, tu as utilisé la bouteille. Il y a les spaghettis qui étaient dans la bouteille. Mmh. Et puis, les petits chocolat! Voilà, tu as utilisé tous les ingrédients, bravo! Et je rappelle, la bouteille est à gagner. Rendez-vous sur Instagram. Nous, on va se dire rendez-vous demain matin. Enfin, pour Athéna, parce que Calis, toi, tu as collège demain matin. Donc, on va se retrouver tous les deux, Athéna, demain matin. Rendez-vous demain? Ok. Allez, bonne nuit, bonne digestion. Et vous avez pas dit bonne nuit à notre ami? Bonne nuit. Non. Bonne nuit. Bonne nuit. À chaque fois, il me fout les boules, lui. J'en peux plus. J'en peux plus. Tu retournes chez ta mère. Tu vas te taire. Oh ouais. Pas de lendemain. Pas de lendemain. Le lendemain. Et ça y est, c'est le matin. Je te vois, Athéna. Bien dormi, petite chauve-souris? Oui. C'est le matin, tu sais qu'Alice est au collège. Et toi, ben, tu vas avoir un petit déjeuner. Avec des petits chocolats. Petit chocolat fantôme. Et petit chocolat citrouille. Oui. Et un petit verre de Lolo. C'est bon, ça. Oui. Ah. Il peut pas en prendre? Maman. Tu veux lequel? Comme tu veux. Fantoche. Un petit fantôme. Ouh. Et t'en laisses un à Calis? Oui. Oh, une petite citrouille pour Calis. Ça, c'est un bon petit déj. Oh bah non! Oh bah, il est malin! Et celui-là, tu vas le manger comme ça? Mais non! Mais bon, ça c'est un bon petit déj. Oh mais non. Moi aussi j'en mange. C'est trop bon. Bon, on se retrouve tout à l'heure pour le déjeuner. Allez, à tout à l'heure pour le déj avec Calis qui va nous faire une super recette de mon break. J'espère. Oh, coucou Calis. Coucou. Ça a été le collège ce matin? Ouais. Ouais. Hey. Athéna, elle a mangé des petits chocolats et du lait. Elle t'a laissé un petit chocolat que tu pourras manger plus tard. Parce que là, on continue notre 24 heures à manger des bons becs. Donc, voici les ingrédients. Alors, tu as des petits bonbons cerveau et dents. Des petites araignées. Voilà, des grosses araignées même. Essaye de me faire quelque chose avec tout ça. Ok. Allez, je te laisse réfléchir. Alors, Calis, est-ce que tu as décidé? Oui. T'as besoin de quoi? Cacahuètes.
Moi, je sais ce que je veux faire. On peut faire un melon sucré salé, pourquoi pas. Moi, je sais ce que je veux faire. Je veux trancher la tête à Calice. Non. Ça se fait pas, tant qu'elle ait fini sa recette. Bah oui, voyons. Tu veux des cacahuètes comme ça? Oui, on adore les cacahuètes coques. Attends, je vais te couper. Des cacahuètes aux bonbons. Voilà, c'est bon. Ah. Ah bah non, c'est pas bon. Ah bah si, tu vois, j'ai bien coupé, hein. Et après? Hop. Ah bah c'est pas mal. Ah oui, d'accord. C'est le vampire qui mange de la cacahuète. Et d'ailleurs, pour information, ça, ça s'appelle une cacahuète. Et ce qui est à l'intérieur, c'est plus l'arachide. C'est ça ou l'inverse? On apprend des choses sur Studio Bubble Tea. C'est ça ta recette? Oui. Mais Mathéna, elle t'aide, elle a compris la recette. Ça va être sympa. Alors Caïs, t'es contente de toi? Oui. C'est terminé? Mm-hmm. Alors attention, regardez. Ça c'est pour l'apéro en fait. Non, c'est le plat. C'est le plat, mais tu oublies pas qu'il y a des araignées aussi hein, comme ingrédient à utiliser. Ouais, c'est l'apéro entrée. Et là, ça sera le plat et le dessert. Et pendant ce temps, Athéna, elle fait la version gastronomique. Hein. Toi, t'as fait la version bistrot, tranquille. Bah ouais. Oh, mais bien, la bonne franquette. C'est très joli, c'est très coloré. Un petit et là, comité. On a la version gastronomique, version top chef. On passe à la dégustation. Prends des petites dents avec des petits, bon, des petites cacahuètes. Vous préférez le... C'est bizarre. C'est pas mauvais. Si vous préférez celui à Calice, mettez un pouce bleu. Et si vous préférez celui à moi, bah mettez un pouce bleu quand même. Ah, c'est marrant. J'ai vraiment mangé les deux en même temps. Mais c'est pas mauvais, hein. Cacahuètes plus bonbons en même temps. Ah, j'aime bien. Bon, est-ce que t'as maintenant t'as une idée pour cuisiner les grosses araignées? Oui. Ouais. Pancakes. On a toujours des pancakes pour le goûter, le chocolat. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Alors, surprise, on se retrouve là maintenant tout de suite pour voir le résultat final. Je suis curieux de voir ce qu'elle va faire avec des araignées et du pancake. Alors, Caïs, cette fois, tu nous proposes... Un sandwich. Un sandwich à l'araignée? Oui. Ah ouais. Athéna, est-ce que tu veux essayer? Ouais, parce que pendant la préparation, tu disais ça sentait pas bon. Oui, les pancakes, ils sont pas bons. Ouais, mais ils sont bons, toi, c'est ce que tu manges au goûter. Alors. Moi, c'est bon. T'aimes bien? Oui. Mais c'est vrai? Bah oui. Attends, je vais essayer. Pancake, bonbon. C'est n'importe quoi. Oh. Non, je souffre des cacahuètes. Hein. Ouais. Ah, ça va moins bien. Et pourtant, je pensais que là, ça irait plutôt pas mal. Ils sont très bons. Allez, on passe maintenant au... Goûter. Ah non, au dessert. Oui, dessert. Allez, on passe maintenant au... Dessert. Ah oui. Non, goûter. Et regardez, le dessert, c'est moi qui régale, c'est moi qui le fais. C'est ouais. Du fait maison. Du fait maison génération souvenir. Allez, chacun son petit ruban. En plus, les rubans, c'est un noir, un orange, c'est vraiment... Allez. Ouh. Ah, c'est trop beau. Ah, c'est trop beau, il y a même les serpents. Ah, ça c'est génial pour un... Ah, si vous faites une partie Halloween, une soirée Halloween là pendant les vacances, un petit gâteau Halloween, allez, ah ouais. Allez sur le site, je vous mets le lien en description. Et ils font aussi la pièce montée, je crois d'ailleurs. Même sur le dessus, il y a un... Ah, c'est un genre de Frankenstein, un Frankenstein. Allez, on goûte une balle de golf, c'est vrai qu'on n'a pas mangé encore. Tiens. Petite balle de golf, miam 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 miam, je goûte. Ah, c'est bon, c'est meilleur que mon sandwich pancake. Bon, on se régale dans ces 24 heures, manger des bons becs réalisés par des professionnels. Ne mangez pas des bonbons pendant 24 heures, mangez des fruits, des légumes, c'est important. Et on se retrouve pour continuer notre 24 heures au goûter. Oh, magnifique, Athéna. Bon, laissez-le goûter, on termine ces 24 heures bon bec avec des petites souris, on va bouffer des souris. Des souris sucrées. Regardez, j'ai des souris noires, j'ai des souris blanches et j'ai des souris chocolat. Je pense que c'est du reggae, je sais pas si vous aimez la reggae. Souris à la réglisse. Et voilà, trois petites souris rigolotes. Bon, je vais commencer à aller par la guimauve. Pas la guimauve. Si. Non. Non. Mais c'est bon. Une petite souris chocolat. Et du caramel? Ah, et moi je goûte la souris à la réglisse, c'est comment qu'on mange? Oui. T'en as plus t'aimes pas, Caïs? Non. Moi j'aime bien la réglisse. Mettez un petit pouce en l'air si vous aimez la réglisse. Personne n'aime la réglisse. Et si vous n'aimez pas la réglisse aussi? Mettez un petit pouce en l'air aussi. Hashtag farceuse. Hashtag porteur. Bon, c'était bien pour terminer. Ouais. Ça a vraiment le goût de carambar, hein, franchement. Bon, bah j'espère que ça vous a plu.
On va peut-être manger quelque chose de... Ouais. De normal, on va dire. Normal. Pour un repas, pour ce soir. Et on se fait plein de gros bisous. À très vite. Bonnes vacances. Hein, ça y est, c'est vacances. Les vacances commencent. Oui. Donc, bonnes vacances à tous. Joyeux Halloween par avance. Et puis, amusez-vous. Et on se retrouve, bien sûr, dans quelques jours pour la suite de nos aventures. Et n'oubliez pas, d'ici là, soyez vous. Soyez bien. Soyez bon. Et vivez vos rêves.